Coucou, je sais pas, voilà, qui est là? J'espère que vous allez bien. J'ai pas encore le matériel idéal, mais on va faire avec. Et ce que je vois, c'est que vous voyez pas l'écran du Thermomix. Comme ça, bon bah c'est pas grave, je prendrai le téléphone pour vous montrer. J'espère que vous allez bien, que votre petit Thermomix va bien dans votre cuisine, qui va bien aussi. Aujourd'hui, je voulais vous parler de, je vous ai dit, deux basiques pour le prix d'un. Je sais pas si vous en avez des basiques pour commencer. Si vous en avez, n'hésitez pas à les partager, à mettre des photos ou à partager les recettes en tout cas, parce que ça intéresse tout le monde. Et vos basiques, mes basiques sont pas forcément les vôtres. Et vice versa. Donc autant qu'on soit là pour partager. Je vais vous montrer ce que j'ai sur mon plan de travail. Déjà, hop. Alors, ça vous donnera des indices sur mon premier basique. Vous voyez, ça s'appelle des gousses de vanille avec du sucre. J'ai aussi des œufs, de la maïzena. J'ai aussi du lait, mais c'est du lait de coco. Et j'ai du miel, du bon miel, du miel vendéen chez moi. Parce que moi, j'aime bien. Hop là, pardon. Je vous montre un peu ma cuisine, hein, qui est bien rangée, hein, ça se voit. Coucou Carole, tu vas bien? Alors, c'est par ici que ça se passe. Premier basique, le sucre vanillé. Je sais pas si vous en achetez, mais en tout cas, vous en achèterez plus après avoir vu ça. Parce que une gousse de vanille. Du sucre. Alors moi, c'est du sucre que j'avais dans mon placard. Le sucre premier prix, blanc, beurre, pas bon. Ben voilà, c'est comme ça. Vous pouvez aussi mettre du sucre roux, du sucre complet. Après, moi, je trouve que mettre du sucre complet ou du rapadura ou du muscovado, vu le prix que ça coûte, c'est des sucres qui ont déjà un petit goût. Je trouve ça un peu dommage de les utiliser pour le sucre vanillé. Le sucre vanillé, c'est hyper économique et surtout, c'est naturel. Vous utilisez juste la gousse de vanille et du sucre dans un sachet de sucre vanillé. Il n'y a pas de vanille, hein. Sucre déjà vanilliné encore pire, mais c'est des arômes ou c'est de l'indus. Donc voilà, c'est une raison suffisante, nécessaire et suffisante pour faire son propre sucre vanillé. Et je me suis rendu compte que je le faisais au début de mes ateliers, j'ai commencé il y a 4 ans quand même, hein, je le faisais pas systématiquement, mais si je faisais quelque part du riz au lait ou la crème aux deux saveurs par exemple. Je sais pas si les personnes qui sont équipées depuis longtemps comme Carole, la crème aux deux saveurs, ça doit te parler. En tout cas, je faisais toujours un pot de sucre vanillé chez les gens. Et puis ben là, finalement, j'ai arrêté. Comme quoi, quand on a l'habitude de faire quelque chose et qu'on a l'habitude de quelque chose, on a moins d'effet waouh, alors qu'en fait, le sucre vanillé, c'est quand même top. Je vous montre aussi sur le Thermomix qu'est-ce qui se passe. Attendez, hop. Voilà. Donc sur le Thermomix, ce qui se passe, oui, les enfants adorent la crème aux deux saveurs, bah oui, évidemment. Ça m'étonne pas. Sur l'écran du Thermomix, je vais vous emmener dans ma semaine. J'ai mis les deux recettes, les deux basiques, dans la semaine. Dans le planning de menu, c'est l'intérêt de Cookidoo, qu'il soit sur le Thermomix ou pas. D'ailleurs, parce que Carole, si je ne m'abuse, c'est TM31. Ça n'empêche pas d'utiliser Cookidoo et d'avoir les recettes et les fonctionnalités de Cookidoo. Donc on va commencer par le sucre vanillé. Et la deuxième basique, c'est la crème au lait de coco. Alors lait de coco cacao, à la base, cette recette. Moi, ça sera lait de coco vanille. J'ai déjà fait, on peut l'adapter. C'est un petit peu l'équivalent, la base de la crème aux deux saveurs. Il y a quelques modifications, vous allez voir. Mais en attendant, cette recette-là est sympa parce qu'il n'y a pas de lactose et c'est délicieux le goût du lait de coco, tout simplement. Et on peut l'adapter comme la crème aux deux saveurs, on peut adapter différents parfums. Et là, c'est cette recette-là que j'ai choisie aussi. Elle utilise le mode sauce directement. Donc la crème aux deux saveurs, on doit augmenter la vitesse. Le mode sauce, il se débrouille tout seul.
Alors, on est mercredi, donc forcément, j'ai un intrus. Voilà, viens me voir là. Il cuisine pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'elle fait, ma mère? Tu dis coucou? Ouais, il n'y a rien d'intéressant. Ok? Donc, voilà, c'est l'imprévu du mercredi. Voilà. Je ne sais pas si le mercredi c'est le meilleur moment pour vous, si cette heure-là c'est le moment pour vous, mais meilleur moment pour vous. En tout cas, vous aurez regardez en replay. Allez, c'est j'arrête de raconter ma vie et on va commencer avec le sucre vanillé. Donc là, juste. Ah, si vous voyez un petit peu. Juste, je clique avec mon doigt. Et vous voyez que la recette du sucre vanillé, si vous la regardez, elle peut faire peur si vous regardez que la durée parce qu'il vous dit 40, 48 heures. 72 à 48 heures. Et merci. 72 à 48 heures, sauf que à la base, il vous dit d'infuser la vanille dans le sucre. Pas besoin d'infuser la vanille dans le sucre. Si vous avez besoin du sucre à vaniller tout de suite, et ben vous l'utilisez tout de suite. Donc, je vais faire commencer à cuisiner. Alors là, il nous dit de poser un pot sur le couvercle du bol, de couper la vanille dedans. Il apaise d'ailleurs, tiens, c'est rigolo, j'avais pas vu. En gros, si je fais défiler, de mettre les 200 grammes de sucre, je vais revenir en arrière après, et de fermer le pot, de secouer, de garder 2-3 jours pour que ça infuse. Donc, voilà, moi, je vais directement faire la recette. Alors, celle est un petit peu séchée, mais bon, ça ira. Alors là, j'ai un petit bout qui est parti, je sais pas où. C'est pas grave, je le retrouverai plus tard, je le mettrai dans le programme si je l'ai. Hop, voilà. C'est ça l'avantage, c'est que ici chez moi, chez Anne-Violaine, si vous avez vu les vidéos, c'est un palace. Si on trouve un père, un truc, bah, voilà. Ici c'est tout petit, donc on les retrouve facilement. Donc, la gousse de vanille et je vais mettre les 200 grammes de sucre. Alors, si vous voulez concentrer, vous pouvez mettre 2 gousses de vanille. Si vous voulez. Dilué, vous pouvez mettre 300 grammes de sucre à la place. C'est comme vous voulez. Si vous avez des grosses gousses de vanille, peut-être il faut mettre un peu plus de sucre. Ou alors doser ce que vous mettez dans vos recettes après. Hop, et là, je vais mettre les 200 grammes de sucre. Alors, l'inconvénient, c'est que ça va faire un peu de bruit, évidemment, parce qu'on va mixer. J'ai mis 209 grammes. Hop, suivant. Donc, fermer le pot, ça, moi, je ne vais pas faire. Il dit d'insérer, de mettre le contenu du pot au bout des 2 jours, de 3 jours dans le bol. Et après, c'est 20 secondes vitesse 10. Donc, c'est là qu'on va faire un petit peu de bruit. Alors, si ça se trouve, j'ai une façon de. Enfin, j'ai une possibilité de couper le son, mais je ne sais pas comment on fait. Donc, bah, c'est vous qui baissez le son, hein. Hop. Ça fume. Je sais pas si vous voyez que ça fume. Si je me rapproche, vous voyez que ça fume, non? Sur les bords. Bon, bref, ça fume. Alors, quand on fait le sucre vanillé pour la première fois, on se dit, ah, ça fume, il y a un problème. Ben non, il n'y en a pas. En fait, il n'y en a pas. C'est juste que, hop. Alors, du coup, je vais faire tomber ce qui est un peu sur le couvercle. Là, on voit bien que ça fume. Et on a le sucre pulvérisé, donc l'équivalent du sucre glace, avec la vanille. Vous voyez, j'ai coupé en 3, en 4, je sais plus, la gousse de vanille. Parce que si vous mettez la gousse en entier, elle peut se mettre sous les couteaux. Enfin, ça m'est déjà arrivé une fois. Si je fais avec des gros morceaux ou alors des gousses un peu plus grosses. Bah, du coup, ça peut se bloquer sous les couteaux et du coup, bah, on est obligé de remixer, c'est tout, hein. Après, c'est pas très grave. En soi, donc là, je vais gratter un petit peu. Je mets pas dans un pot tout de suite parce que, en général, je prends une cuillère, je prends le temps de le faire, de mettre dans un pot, tout ça. Vous pouvez aussi. Ah, si, je suis bête. Petit truc que je peux vous montrer. Ah, bah oui. Comme quoi, je pense pas à tout le temps. Alors, je prends mon pot. Je vais essayer que vous puissiez voir. Moi, j'ai les commentaires, mais je pense que vous voyez. Je vais enlever le gobelet doseur.
Et je vais me servir du couvercle comme entonnoir. Donc, ça donne ça. Hop. Et là, hop là. Et donc là, ce que j'ai mis dans le pot, dans le bol, voyez. J'espère que vous voyez bien, c'est pas évident. Bon, je trouverai une autre façon de m'organiser la prochaine fois. Pour que vous puissiez voir ça quand même bien. Hop! Et du coup, ça permet de verser. Vous pouvez utiliser le. Vous voyez, il y en a qui restent un peu sur le couvercle, mais ça fait un entonnoir. Tout simplement, ça permet de. De pas salir le bol que je viens de salir avant que je pense à faire ça. Voilà. Donc, j'ai pris un pot un peu grand, mais c'est tout ce que j'avais là de dispo. J'ai pris le premier qui me venait sous la main. Et alors, le truc sympa, si vous avez un sucre vanillé à faire, c'est de pas nettoyer le bol et de pas perdre le sucre et la vanille qui restent sur les parois du bol. D'accord? D'où la crème dessert. Bah oui, c'est malin, évidemment. Tu crois quoi, Carole? C'est malin. Elle est maligne, la fille. Bon, alors, c'est bien, j'aime bien. Si vous me lancez des fleurs, ça me va. Voilà, un pot de sucre vanillé. Le pot de sucre vanillé, pour les personnes qui l'ont jamais fait. En gros, dans les recettes Thermomix, c'est écrit 15 grammes de sucre vanillé maison. Donc, sur un point flan, pour une crème anglaise, pour des crèmes dessert, toutes les recettes où on utilise du sucre vanillé, vous utilisez votre sucre vanillé maison. Alors, évidemment, ça se recompacte un petit peu. Bah, vous prenez une petite fourchette, vous grattez, et puis voilà, c'est prêt. Ça se conserve assez longtemps. Hein. C'est quand même relativement sec avec une fois que votre pot il est fait. Donc, je vais faire suivant. J'ai pas fait suivant. Je fais pas suivant tout le temps non plus. Je fais pas tout le temps ce qu'il me dit. Hein, sinon, c'est pas drôle. Donc, conservez dans un endroit sec et utilisez le sucre vanillé selon vos besoins. Ben oui, ça, on va pas l'utiliser quand on n'en a pas besoin. Bon, bref. Voilà. Donc, ça, c'était mon premier basique. Sucre vanillé. Parce que moi j'aime, je vous ai dit que je faisais attention au sucre, c'est vrai, mais ça m'empêche pas de faire des desserts quand même. Et ça c'est vraiment top. En termes de goût, quand vous faites un flan, moi un de mes desserts préférés c'est le flan pâtissier. C'est juste, vous avez les petits grains de vanille dedans, les petits goûts. Et ce qui est agréable aussi, c'est qu'on utilise toute la gousse. Une gousse de vanille, ça coûte relativement cher si on prend de la qualité. C'est quand même dommage de gratter, d'infuser la gousse et après de jeter la gousse parce qu'on jette une partie de l'arôme, quoi. Donc, autant tout utiliser. Là, c'est ce qu'on fait. Donc, après, je vais retourner chercher dans ma semaine la crème au lait de coco. Hop. Et commencer à cuisiner. Je vais enchaîner. Tout facile, tout simple, tout s'enchaîne. 400 grammes de lait de coco. Alors attention, lait de coco, pas crème de coco. Crème de coco, c'est comme le lait et la crème, hein, c'est plus épais. Donc, 399, 400 grammes, pile poil. Trop forte. Hop. 4 jaunes d'œufs, petite variante par rapport à la crème de saveur. Alors, moi, j'ai mis de côté les blancs dans un petit pot parce que les blancs, ça se conserve très longtemps. Vous pouvez les conserver 3 semaines, on va dire, dans un pot hermétique, dans le frigo, ou alors vous les congelez. Ça se congèle très bien. Et après, pour faire les financiers, les macarons, pour monter des blancs en neige, ils montent très bien quand ils ont été congelés au préalable. Et vous les laissez décongeler tranquillement, ça décongèle très vite. L'idée, c'est vous les congelez pas en bloc. Il y a des, moi, j'ai des clientes qui mettent ça dans des bacs à glaçons. Une fois que c'est fait un par un, en gros, et une fois que c'est fait, hop, dans un sac, dans un sachet au congélateur. Donc là, et moi j'ai conservé, alors j'ai conservé les blancs et je vais pas vous dire pourquoi parce que ce sera une surprise, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc les 4 jaunes d'œufs. Voilà. Les 4 jaunes.
Là, il me demande une cuillère à soupe de cacao non sucré. Toc, toc, toc. J'ai cherché mon sucre vanillé que je viens de faire. Alors, il y en a dedans déjà un petit peu, on est d'accord. C'est une recette qui n'est pas très sucrée. Donc, on peut, si vous aimez bien, mettre un peu plus de sucre. Qu'est-ce que j'ai fait? Il me manque une cuillère. Hop. Là, donc moi, je vais même peser ce que je mets. Dans les recettes, en règle générale, c'est 10-15 grammes. Donc, je vais mettre 10 grammes. Salut Lucie! Hop, tiens, 13 grammes. Je vais rajouter 2 petits grammes. Je vais en profiter que mon TMC pèse au gramme près. Et oui. Donc, 15 grammes. Façon, c'était une cuillère à soupe. Bon, je vous ai dit que je faisais attention au sucre. Donc là, il me redemande 500, 500, 50 grammes. Pas 500. 50 grammes de sucre. Je vais mettre un peu de miel. Moi, je préfère quand il y a du miel. Alors, c'est du miel de printemps qui est très doux, qui n'a pas un goût très très fort. Parce que si vous avez un miel avec un goût un peu fort, méfiez-vous parce qu'on a déjà mis du lait de coco qui a du goût, de la vanille qui a du goût aussi. On va pas mettre trop de goût en même temps. Trop de saveur tue la saveur. C'est toujours le plus, enfin, bien souvent le plus efficace. Donc là, je vais mettre du miel. Alors, j'ai pas, je me rappelle plus de combien ça fait exactement, donc je vais quand même me méfier des quantités. Donc, prenez du miel, pitié, pas du miel, pas du miel de supermarché, hein, qui est pas du miel. Donc, achetez, vous mieux achetez moins, mais achetez du bon miel, du miel d'abeille d'ici, de chez nous, il y en a plein, il y a plein de gens qui font du miel, donc, ça c'est top. Et là, c'est du miel de ma Vendée à moi, donc ça me va bien. Je suis un peu positive avec la Vendée. J'hésite pas à mettre 50 grammes de miel, ça sucre quand même un peu moins. Ça dépend des goûts. Voilà, moi. C'est pas que pour moi, du coup, hein, puisque moi je vais en manger, je vais en manger une ou deux, mais c'est surtout pour mon fils. Voilà, donc 53 grammes de miel, c'est parfait. Et ensuite, de fécule de maïs. Maïzena, je fais de la pub pour la marque. J'ai pas de différence entre les différentes marques, entre les différents prix de maïzena, mais en tout cas, la maïzena, ça sert d'épaississant. Il n'y a pas les blancs d'œufs qui épaississent là dans cette recette. Là, j'ai pas d'autre chose à vous dire que de tester la recette, de voir si c'est assez épais, et la fois d'après, vous rajoutez un peu, vous enlevez un peu de maïzena. C'est vous qui gérez. Moi, je mets 15 grammes pile poil. Pour moi, c'est exactement parfait. Je voulais vous dire aussi par rapport aux œufs, j'ai testé en mettant 2 œufs en entier plutôt que 4 jaunes si je voulais pas garder les blancs pour plus tard. Là, j'ai une idée de recette, donc je les garde, mais si je n'ai pas l'utilité. Donc là, j'ai 16 grammes. Je suis en train de me dire que c'est même 20 grammes que j'ai mis la dernière fois. Voilà, ça fait à peu près, ça fait comme une, mais un peu plus ferme. Moi, j'aime bien et je trouve que la texture du lait de coco, elle est, ça, la consistance en tout cas pour moi est top. Je préfère cette recette-là, c'est aussi pour ça que je vous la montre, hein, à la crémeau de saveur pour moi, pour ma consommation perso. Et là, insérer le couvercle et le gobelet. Hop. Et le mode sauce, c'est ça. Donc, c'est ça le mode sauce. Je vous montre. Donc, il part pour 12, environ 12 minutes à 100 degrés. Et on aura juste à tourner sur le mode sauce. Donc, si vous voyez, je tourne juste d'un cran. Il part et il fait d'abord la liaison de la sauce. Alors, c'est quoi la différence avec avec la crémeau de saveur notamment. La crémeau de saveur, vous allez respecter des étapes, à cuire, et après vous allez remixer, mixer un peu plus fort et tout. Et là, c'est lui qui gère tout en fait. Et c'est en fonction de l'épaississement de la sauce. Donc, avec le mode sauce, je vais vous montrer la collection sauce, ce que vous pouvez faire. Ah, là. Donc, la maison,
V sur cookie doux. Et ici, vous voyez, j'ai la progression de la recette en haut. Alors, j'ai tout à l'heure, j'ai tapé sauce mode. Alors, il enregistre. Hein. Et voyez ici, j'ai un onglet recette sur cookie doux. Je vais taper collection. Hop. Et là, je vais taper sauce. Je vais reprendre. Allez. Voilà, sauce. Et donc, il me met les différentes collections de sauce et il y a le mode sauce. Et en automatique, comme ça, vous avez la béchamel, la sauce aurore, la sauce soubise, la sauce aux champignons, la sauce hollandaise, la sauce hollandaise au poivron rouge. Alors, j'ai pas fait encore celle-là, elle paraît qu'elle est super bonne. La crème pâtissière, c'est top. Une autre crème dessert, une crème à napper, enfin voilà, vous avez quand même... Et le sabayon, c'est juste terrible. Attention, le sabayon, le lemon curd aussi qui est top. Attention au sabayon, ils mettent pas mal d'alcool dedans, moi j'en mets moins quand même. Bon. Voilà, ce mode sauce qui est top parce que ça se fait tout de manière automatique. Hop, alors je vais retourner sur ma recette. Donc le mode sauce, du coup, ça fait que le temps il va diminuer, le temps de la recette, pardon, il est calculé en règle générale. Maintenant, en fonction de la température qu'il fait, en fonction de si bah, votre lait de coco était au frigo ou pas, les œufs pareil, hein. Moi les œufs, je rappelle que je les laisse pas au frigo, ça sert à rien, ça rend poreuse la coquille et ça la rend perméable aux bactéries, donc si on peut éviter, c'est mieux. Donc en fonction de tous ces paramètres là de température, votre préparation, elle va chauffer en un temps différent, forcément. Et donc là, ça va s'adapter puisque il va adapter le temps de cuisson à l'épaississement. Je sais pas comment vous dire. En fonction de la température de la préparation, du coup, ça fait peur. C'est ce que je vous disais. Du coup, là, il se met à plus rapidement. Au fur et à mesure et tout seul. Donc voilà, je vais pas, ça fait du bruit forcément, je vais pas, il me dit il reste 9 minutes, je vais pas faire 9 minutes de blabla, ça ne sert à rien. Mes deux basiques du jour, c'était le sucre vanillé pour ceux qui viennent d'arriver, salut Mélanie, salut Béa, c'est le sucre vanillé et la crème dessert. Des crèmes dessert, il y en a plein, vous choisissez celle que vous voulez, il y en a qui se cuisent dans le varoma, vous pouvez faire cuire en même temps que vous faites une soupe, salut Nadine. Vous choisissez celle que vous voulez. Je rappelle, j'ai fait le sucre vanillé et après j'ai mis mes ingrédients sans laver mon bol, ce qui me permet de garder, de ne pas perdre de sucre, de ne pas perdre de vanille du tout. Donc ça c'est top. Les économies, elles se passent aussi par la moindre petite chose et du coup, de ne pas mettre de l'eau pour laver le thermomix et puis dans l'évier, c'est quand même top. Une gousse de vanille, si vous achetez de la qualité, ben, on essaye que ça ne se perde pas. Voilà, c'est le tour de mes deux basiques du jour. J'en ai plein d'autres des basiques, plein d'autres. Je vous dis, si vous en avez, vous les partagez ici en commentaire de cette vidéo ou alors directement dans un post si vous avez envie. N'hésitez pas à partager des choses sur le groupe. C'est pas mon groupe, c'est notre groupe. Donc moi ça me fait plaisir si vous partagez. D'ailleurs Élise, je ne sais pas si tu es partie, mais j'ai pas reçu ta photo. Parce que Élise, elle ne veut pas publier, elle fait des super trucs, mais elle ne veut pas le faire. Je vais le faire pour elle. N'hésitez pas à partager. Et je suis partie sur le rythme, une vidéo avec Anne-Violaine par semaine. J'ai essayé de lui demander de faire un petit live ensemble, mais elle préfère vidéo pour l'instant. Donc on va faire vidéo et un live pour moi. Donc est-ce que je vous fais un sondage pour savoir quel moment? Si j'ai plusieurs créneaux, ce que je vais faire, c'est que là j'en avais pas d'autres cette semaine. Mais si j'ai plusieurs créneaux, ce que je vais faire, c'est que je vous poserai la question en début de semaine. À quel moment vous préférez un live? Et puis bah, je me plierai aux plus nombreuses. De toute façon, vous savez que vous pouvez regarder les vidéos en replay. Moi j'ai un petit truc à vous demander.
C'est la semaine prochaine. Invitez quelqu'un, équipé, pas équipé, peu importe. Hein. Moi, si vous connaissez des personnes qui ne sont pas équipées, qui sont équipées, qui n'ont pas de suivi, qui n'ont pas de conseillère, alors on n'est pas, c'est pas vital d'avoir une conseillère. Je vous concède, mais c'est quand même bien pratique si vous êtes là. C'est que vous trouvez que c'est quand même bien pratique et bien utile. Donc, n'hésitez pas à leur dire, allez, venez. Elle est drôle, cette fille, elle dit des trucs n'importe quoi, des fois. Pas, mais bon. Bref, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on l'aime. Enfin, j'espère, s'il vous plaît. Voilà, je suis ravie. J'ai pas encore le réflexe de dire, ouais, alors, je vous ai dit, on était 100. On est 100, c'est super. Alors, on est 105 aujourd'hui, ça c'est top. Et inviter du monde pour qu'on soit 200 à la fin de l'année, ouais, pour avoir plein de trucs à partager, de trucs et astuces, et puis de recettes sympas. Je vous fais des bisous. Que je vous dis que je vais pas vous blablater pendant ça, pendant 10 minutes, mais c'est ce que je suis en train de faire. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. J'espère que la semaine prochaine, hein, de toute façon, j'espère que vous ferez votre sucre vanillé, c'est quand même vachement meilleur, et que vous testerez cette crème. Elle est adaptable, hein, vous trouverez bien les utilisatrices de TM31, TM5, vous trouverez bien comment faire. Je vous fais confiance. Puis si vous trouvez pas, vous savez où me trouver. Donc, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye! Je vous fais une petite photo, hein, évidemment, de mes petits pots Thermomix remplis de crème. Allez, bisous, à bientôt!